C'est une cérémonie symbolique mais qui traduit les ambitions du Niger aux prochains Jeux Olympiques de Tokyo. Ils sont au total 7 athlètes qui ont reçu le drapeau national des mains du chef de l'État. Une équipe dirigée par le champion du monde et d'Afrique en titre de taekwondo Abdulrazak Alfaga, pour qui le président nigérien a notamment réitéré sa confiance. Je sais, Alfaga, que nous pouvons compter sur toi. Je sais également que grâce à toi, toute notre petite équipe, mais très vaillante, sera tirée vers le haut. Finaliste malheureux au dernier jeu de Rio, l'athlète nigérien aura certainement une revanche à prendre. Toutefois, pour le porte-drapeau désigné, la moisson à Tokyo sera avant tout collective. Mon objectif, c'est de motiver les autres athlètes. J'étais le premier Nigérien qui a pu se qualifier sur le plan mondial pour les Jeux Olympiques. Et aujourd'hui, on est 4. Donc j'espère que le message a été bien reçu. Et Inch'Allah, on va se donner à fond pour ramener des médailles. À Tokyo, le Niger sera représenté dans 4 disciplines, à savoir le judo, la natation, le taekwondo et l'athlétisme. Autant de chances de médailles pour la délégation nigérienne qui ne compte pas rentrer bredouille le 8 août prochain.